Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Salut Sabena, comment ça va? Merci encore mon cher ami pour pour tout. Côte de Caribou, pour aussi... T'avoir subé et subscribé. Ouais, je cherche le mot. Ouais. Salut Cédric. Je viens d'arrêter, j'ai changé un peu. J'ai joué quelques parties. Il y a plein d'autres jeux, plein de nouveaux jeux. Il y a plein de jeux à explorer sa planète. Bon. On peut marcher sur l'eau maintenant. Votre Majesté, vous avez réussi! Obtenons cet éclat final. Personne ne connaissait même l'existence de cet endroit. Alors faites très attention. 64, c'est niveau 60. Préférez-vous les chats ou les chiens? Pensez-vous que les chats sont supérieurs aux chiens? Les chats et les chiens sont-ils égaux? Si c'est le cas, la lame royale va-t-elle rompre cet équilibre? Alors désirez-vous encore la lame royale? Je comprends bizarrement. Vous désirez la lame royale, bien que vous connaissiez les conséquences. Intéressant. Facile! Oh. Puissiez-vous forger une lame de salut? Une onde de destruction. Vous avez acquis l'éclat final! Je me demande où ça allait. Vous avez l'éclat final, Minou et Otto nous attendent, dépêchons-nous. Merci, j'arrive. Ils sont là. Salut, c'est cool, nous sommes tous là. Impossible de faire marche arrière à présent. Vous êtes prêts?
Bon, vous montrez l'éclat final à Minou et Otto. Fine sans en vous là, je ne peux pas rester une seconde de plus avec ce. Donnez les éclats à Otto pour qu'il puisse arrêter de fixer le visage de Diablesse. Essayons tous nos ententes, nos rois ont besoin. J'ai besoin de nous saurions la patte maintenant. Oh. Elius. Alius. Guéris, mon vieil ami. C'est un exploit d'être arrivé si loin. Mais c'est fini maintenant. Les éclats, vous, là. Ouais, maintenant, vos arts royaux sont à nous. Maître Alius, puis-je les détruire maintenant? Leur visage m'agace. Mes animaux de compagnie, la patience est une vertu. Pour l'instant, retirez vos casques, afin que nous puissions parler librement. Surprise, idiot. Nous sommes vous. Hein? Notre cher Kiri a volé de la temporalité et l'un des autres pour nous combattre. Au début, j'étais surpris, mais ensuite, j'ai compris. On pourrait se servir de vous pour acquérir les éclats pour nous. Oui, et avec un éclat, je peux enfin gagner cette guerre. Non, je vais gagner cette guerre. Votre empire s'effondrera sous mes pas. Mes faces vides. Nous verrons qui est le plus puissant. Oh mon dieu. J'adore les animaux compagnie et leurs nouveaux jouets. Mais quant à vous, mes rois, l'éternité attend. Trouvez une issue hors de la dimension zéro. Non, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ma faute. Solo. Ok, si, comment pensez-vous qu'il y ait réussi à corrompre vos voix? C'est parce que vous avez échoué à les protéger? Non, arrêtez, s'il vous plaît. Désolé, mes rois, je peux tout expliquer. Il existe en fait un nombre infini de temporalités parallèles. Alors nos mages ont conçu un moyen de vous arracher à l'une d'entre elles. J'avais peur que vous soyez en colère si vous découvrez la vérité. Je me pardonnerai vous deux. Mes rois, merci. Mais ce n'est pas encore fini. Minou et Otto ont coincé ici. Où ça? Je pense que ce sont Minou et Otto sont proches. Accroche-toi à quelque chose. Arrête, ce n'est pas vrai. Je n'y crois pas. Otto, pas être sans son assiette. Besoin hot dog au wasabi. Faut se trouver un chemin maintenant. Ok, un labyrinthe.
Tu es supposé faire de quoi, mon quoi, là? Et Charlie, comment tu vas? Ok. Ah vous, tu penses que les chiens sont sales et stupides? Et Otto pense que les chats sont paresseux et arrogants. Regardez qui voilà, vous là, nos chers rois. Allez! Facile. Ça va, merci. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Charlie? Ce soir, on est à ce point-ci. Otto est jamais reconnaissant, mes rois. Et nous? Otto, il y a toutes ces années, pourquoi es-tu parti? Otto avait peur. Nous forgeons la lame royale ensemble. C'était vraiment une expérience heureuse. Mais la lame royale a engendré la guerre et Otto se sentait coupable et avait peur. Je vois. Nous étions les meilleurs amis, pas vrai? Tu aurais juste pu me le dire, tu sais. Otto sait maintenant. Otto est dégueulé! J'aurais dû essayer de te parler au lieu d'être une en colère. Je suis désolé aussi. Ami? Chien. Toujours. Regarde, une sortie! Une sortie que tu aimais. Une sortie que tu sortais. À quel jeu joues-tu dernièrement? Encore. Voilà, où sommes-nous maintenant? C'est l'île de tombe du roi Fellinger. Et comment sommes-nous arrivés ici? Mes rois, sans les éclairs, je ne sais pas comment nous pouvons encore gagner. Je suis désolé, je vous ai encore fait défaut. Le panier du roi. Comment loin qu'on est. Ok, il y a un coffre là. Ah, t'as pas vu là. Ça, c'est lorsque je suis. Et ça, c'est où est l'île. Ok, ben c'est peut-être pas si loin de ça finalement. Attends. Une île là. Ouais, je suis quand même loin. Ben, c'est pas une longue marche, c'est pas si pire. Vous devez aussi vous demander qui est Aelius, non? Eh bien, il est sorti de nulle part et vous a corrompu tous les deux. Nous savons seulement qu'il vient de la dimension zéro, mais on ne sait rien sur la raison pour laquelle il est ici, ni de ce qu'il veut.
Ils semblent simplement nous observer, ça fait un peu peur en fait. Mais ça ne fait rien. Pour l'instant, Lionel et Waffen sont là, priorité. Il y a des pouvoirs magiques étranges dans cet endroit. Je ne peux pas nous téléporter, nous sommes coincés comme des hot dogs dans sans saucisse. La tombe de Fellingar, je me demande si c'est pas par là qu'on doit y aller. Je me demande aussi, tu devrais y demander. On peut pas marcher sur l'eau ici. Ceux qui se possèdent les qualités d'un roi peuvent pénétrer dans la tombe de Fellingar. Atteins la clé de la valeur. Ok. Ok, je peux faire ça, Star. On va aller faire ça. Vous avez témoigné d'une grande clémence. Atteinte de clémence. Merci, la clé, merci. Merci. Il y a des pouvoirs magiques étranges à cet endroit. La clé Clémence devrait débloquer ça. Vous avez témoin d'une grande clémence à l'égard de vos ennemis. Atteint la clé de la vertu.
Bon, on va voir ce que ça donne. Eh bien, il est sorti de nulle part et vous avez quand même pu les... Ah, ça, je sais tout ça déjà. Déjà, tu dis ça. Après les guerres du dragon, le roi Felingar a uni les chats survivants pour une bannière unique, et ainsi est né le royaume des Felingar. Le roi Felingar et le roi Lupus étaient amis autrefois, jusqu'à la grande guerre de la Lame Royale. Après la guerre de la Lame Royale, notre roi a disparu, n'est jamais revenu, et ainsi ce temple fut construit à sa mémoire. D'un chat, mais il n'y a rien ici. Un roi n'a pas besoin d'une lame ni d'une babiole pour unir son peuple. Il n'a pas besoin d'une d'allié à qui faire une confiance et la paix survivra. Il a veillé l'ordre royal de la marche sur l'eau. Pensons donc, la puissance était en vous tout ce temps. Il y a encore de l'espoir! Non, c'est parce que pour la première fois, chat et chien sont unis. C'est juste vous, là, retournant chez moi, on en peut encore le faire. Bien joué, mes animaux de compagnie. Oh. Et voilà, il est là, notre ami. Allez, retournons sur la terre ferme. Il y a Nero Offen dans les éclats maintenant, mais ce n'est pas encore fini. Cabotance, regardez ça!
Par ordre de Lyonnais et le persécuteur, tous les impôts sont doublés pour aider les efforts de guerre. Un mode de soldat, désolé. Les chats des villes ont du mal, mais Lyonnais s'en fiche. Cela signifie aussi qu'il ronronne quelque chose. Nous avons besoin de savoir ce que c'est. Et vous là, vous voulez améliorer votre armure? Rapport, imbécile. Donc elles sont pleines, Seigneur Lyonnais. Et nos soldats sont prêts à marcher sur l'Empire de Lupus. Warfen ne soupçonnera jamais qu'on utilisera la dimension zéro comme porte de dérobée pour pénétrer. La victoire sera à moi. Ce n'est pas bien beaucoup de chats et de chiens pour en être blessés. Nous devons aussi voir ce que Wolfen a prévu. Une petite sauvegarde. Donc, Lyonnais prévoit de marcher sur nous en traversant la dimension zéro. Laissez-le venir alors. Nous allons lui tendre un piège. Nos ennemis ont su trouver la tombe de Felingar. Nous ne pouvons pas le laisser trouver cette lupus. L'échec entraînera une punition sévère. Ah, mais eux autres, je comprends ce que c'est, Astar. C'est les. Eux, les têtes de chien, là, c'est les chats en fait. Dans le... Eux, ils sont. Les chats sont juste revenus dans le passé. Dans le. Du passé pour venir dans le futur, je pense. You. Mais vous avez entendu ça? Nous pourrions récupérer le reste de vos arts royaux si nous trouverons la tombe de Lupus. Là, c'est un plan. Partons chercher Otto, il en saura plus. Vous trouverez un bout de papier. C'est ça, cas où j'oublierai, j'ai caché la clé dans la réserve de Motieti. Personne ne pensera à me chercher ici. Ah ben, j'espère juste que vous repardez la note. Quel endroit? La réserve Miotin, ok. Il dit qu'il faut aller dans Otto, et là on va voir ça marcher. Heh heh.
Alors Otto, savez où se trouvait la tombe de Lupus? Allons-y. Otto, Otto, t'es là? Votre cabotin Otto a été super génial. Si tombe de Felinga restaurait le pouvoir, alors tombe de Lupus pourrait restaurer le reste. C'est pour ça qu'en... Oui, Otto, lui, c'est lui être génie. Otto, savoir aussi où être la tombe. Otto pense être une tour au milieu du désert à Abouahara. Il t'a fait un cadeau du roi du Lupus quand lui être encore en vie. Otto, pas connaître le but jusqu'à maintenant. Otto donna la clé de Lupus. Bonne chance, votre cabotin. Nous comptons sur vous. Bon, allons-y. La 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 la. Tabarnak, tu m'engoles? Bon. Grinding Dick, ça fait un peu. Quand même à 100... Ah!
Ouais, mais c'est qu'elle est... C'est que c'est fait pour ceux-là, t'es pas supposé les toucher, on va dire. Je suis rendu à la bonne place. Sauvegarde proche. Il y a un collègue, je l'ai pas vu lui. Ah, il y a quelque chose là, par exemple. Sang royal, invoque ton pouvoir intérieur! Vous avez appris le mana pat. Mana aussi augmenté. Salut, Blo, ça va? On dirait que c'est coincé dehors. Pour rentrer, mais ça c'est notre accès. Inconnu, explorons la cave autour d'ici pour être bien sûr. Niveau quoi, 70? Ça va être tight.
Alors c'est proche. Ah bah ouais, j'ai eu peur, quand ils vont me soigner, ouais. Barnac! Bouge! Ah, niveau 72, encore deux autres là. Quel mauvais jeu encore. Ah, bah ouais, j'ai le temps. Salut Tifa, comment ça va? Salut Charlie.
Allez, on les attaque. Et à qu'est-ce que tu joues aujourd'hui, ma... pas... On l'a eu le coffre en tout cas. Ce soir tu joues pas. Bon. Ben là, faut que je vais. Eh oui, c'est là. Ça a l'air compliqué, elle est là. Ah, ça pique. On va aller. La tombe du roi Lupus. Pendant la guerre de dragons, le roi Lupus était considéré comme le plus fort des guerriers. Alors, lorsqu'il est devenu se former l'Empire... Lorsqu'il est venu à former l'Empire, le choix de Lupus s'est imposé. La lame royale a toujours été source de tension pour le roi Lupus. Une arme si puissante devrait-elle se retrouver dans les pattes d'un seul royaume, et c'est oui lequel. Après de nombreuses années de guerre pour la lame royale, Lupus et Fenengar sont convenus qu'elle devrait être brisée. La paix suivit bientôt, mais les chiens et les chats se s'entendraient plus jamais. Regarde-moi. Mais ce qu'il peut donner... Réveillez-vous, Arroyo. Vous avez atteint la toute puissance royale. Ubiran. Mouhahahaha. Nous sommes dans la phase finale maintenant. Qui parle? Moi je sais qui parle. Bon, présentement nous avons découvert ce pouvoir que je vois que vous avez regagné, votre totale force royale. Allez, on se retrouve chez Otto, nous avons une guerre à arrêter. Comment nous ça amène, il y en a un en bas. Ouais, j'aime bien ça, RPG. Et si jamais t'as des amis, tu peux jouer à deux dans la même. Faut-il dans en salon. En d'autres mots, si tu vas, tu peux le mettre jouer solo, jouer en multi avec une autre manette. Bon, nous sommes sortis à un autre endroit. Comment ?
Ok, ben deux endroits pour y rentrer. Ah! Cat Quest 2. Je pense qu'il y a environ une vingtaine d'euros. Il y a quand même beaucoup de temps de jeu dans ce jeu-là, je trouve. Je suis surpris. Là. Surtout, c'est un RPG. Déjà là, un RPG. J'ai déjà beaucoup de temps de jeu à soi-même. Donc je vais sauvegarder. Encore une dizaine de minutes de jeu avant de changer. Ok, allons-y. C'est que j'aime les petits quests. Ils donnent beaucoup d'expérience, les petits quests secondaires. Pas ceux-là, c'est la principale. Mais ils sont aussi rapides. Et surtout quand que tu prends la peine d'avancer, là t'en recules. Là t'en recules parce que t'as fait beaucoup. Exemple, j'étais rendu à level 50 et là j'étais faire les petits levels avant. Tabarouette, ouais, ça prenait 2 secondes. À clac, à clac, à clac, à clac. Tout ce qui reste à faire, Lyonnais et Wolfen, vous là. Oui, avec votre toute puissance royale, il n'y a aucune chance. C'est exact. Les gars, n'oubliez pas d'améliorer votre équipement avant de la bataille finale. Majesté, j'ai déjà un plan d'attaquer, suivez-moi. Ok, normalement tu joues pas ce console ou Qu'est-ce qui est mon autre que je prends d'habitude? Ah, haha. C'est bien mêlé, Caribou, là. Ah, il est là, ok. On va le monter en bas en temps de feu. N'oubliez pas tout le monde, si vous achetez des jeux, vous savez pas où les acheter. Je sais pas si tout le monde a la même chose. Je sais pas si les exemples, ceux-là qui sont non partenaires. Est-ce qu'on peut acheter encore? Est-ce qu'on peut acheter des jeux sur leur chaîne, Charlie? Une bonne question, je sais pas. N'oubliez pas, vous pouvez toujours acheter les jeux sur ma chaîne Xbox. Vous me dites Caribou, tu sais, c'est Star Wars. Vous dites Caribou, je veux tel jeu, je le mets.
Et vous l'achetez là, je reçois 5%. Aussi, si vous achetez la Xbox Game Pass, vous pouvez toujours mettre mon GT aussi. Et un bandit au premier, c'est avec lui que nous commençons. Gagner en destinée de la magie, alors apporte tous les sorts que tu as. Puis alors que Wolfen s'attend à une attaque, il ne nous viendra pas derrière. C'est vraiment la bataille finale. Votre mi ajusté. Alors s'il y a encore des choses que vous devez faire, c'est le moment. Dès que vous êtes prêts, retrouvez-moi à la chapitale! Salut Lux, ça ne fait pas peur. N'est-ce pas vous, voulez m'aider? Voyons. Salut Lux, ça ne fait pas peur, n'est-ce pas? Vous voulez m'aider à gagner une équipe combat à mort? Oui. On a essayé de chasser l'autre, si seulement il pouvait nager jusqu'à là. Il continue de m'aboyer dessus comme si je le comprenais. Attends, êtes-vous un chien? Vous pouvez traduire cette note que j'ai griffonné. Le paysan vous donne une note. C'est un chien. Quoi? Cette boule de poids m'a traité de gros balou aux bajoues pendantes. Et lui, que c'est une peste qui a peur des concombres. Les chocs a peur des concombres. Je n'ai pas peur des concombres, boule de poids. Il s'est pas enfui en pleurant. Le paysan vous donne une balle. Il aime les jeux de balles. Lancez la balle aussi loin que possible. Il va la perdre en la cherchant. Lancez la balle de toutes vos forces. Une balle? Je reviens tout de suite. Le paysan vous montre la balle. Il l'a retrouvé, ce chat a cru que j'allais me perdre. L'huile de chiopermite fuit les chats d'un luisant. Le paysan vous donne de l'huile de chiopermite. Comment ont-ils utilisé de l'herbe à chat? La plupart des chiens en sommeil. Le paysan vous donne de l'herbe à chat. Je vais juste dormir ici. J'arrive à dormir debout, ça ne sert à rien. Il est encore ici, au Seigneur, à quelle obstination. Attendez, ils ont aussi des worms. Il va se faire manger, sauvez-le! Oh, je vais bien! Pour dire la vérité, c'est amusant. Tout était sinistre avec ces trucs de guerre. C'est lui qui a gagné la partie cette fois-ci. Il va bien, ouf! Oh non, je suis pas soulagé. Quoi qu'il en soit, j'accepte la victoire. Cette fois-ci, tiens, accepte un peu d'or pour te récompenser. Donc l'aventure de CatQuest 2 se continuera demain.